Tu vas devoir aller dans la rue comme ça et demander des trucs aux gens. Non, mais ça c'est l'indispensable pour les Visco Girls, c'est les scrunchies. Tu devras mettre des sandalettes. Ah, maman, attends, tu mets tous les chouchous dans tes cheveux. Hein. Là, Liros, t'as fait quoi? T'as collé des autocollants sur ma tablette, mon iPhone. Ça va? C'est quoi ça? Viens. Salut. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner et à cliquer sur la cloche. Et surtout, regarde la vidéo jusqu'au bout si tu veux que ton nom apparaisse dans la bulle magique d'une prochaine vidéo. Bon visionnage. Ouais, salut, ça va? Non mais qu'est-ce que tu fais là? Salut, Jack. Non, non, Liros, qu'est-ce que tu fais? Bon, on va faire un 24h Visco Girl aujourd'hui. C'est vrai? Regarde tout ce que j'ai acheté pour toi. Ouais, yes. Non mais pourquoi t'étais habillée comme ça là? Bon allez, salut à tous les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qu'on est super content de faire. Parce qu'aujourd'hui on va faire un 24h Visco Girl. Alors donc aujourd'hui nous allons faire le fameux 24h que vous avez pu voir sur la chaîne Gabin et Lily, les folies de Loane et peut-être d'autres, je ne sais pas. Donc on s'est pas trop spoilé, on n'a pas trop regardé les autres chaînes. Mais ça, en tout cas, j'ai acheté plein de trucs. Donc si vous voulez voir ça, c'est parti. Alors les amis, déjà vous allez commencer. Vous allez commencer par mettre un like. Allez, 3, 2, 1, vous mettez un like. C'est parti, vous avez mis un like. Et surtout vous mettez en commentaire ce qu'est une Visco Girl. Oui. Ou si vous aimez bien, si vous aimez pas. Racontez-nous un peu votre life. Alors, assieds-toi parce que là, j'ai prévu plein de trucs. Et surtout, alors là, t'es contente? Oui. Mais tu sais ce que tu vas devoir faire? Non. Tu vas devoir aller dans la rue comme ça et demander des trucs aux gens. Non. Si. Non. Si. Non. Tu savais pas ça. C'est une blague. Ah non, non, c'est pas une blague. Tu vas devoir sortir non. dans la rue, sérieux, aller au parc, tout ça. Ah oui, oui, oui. Alors là, c'est fini les bêtises, Liros. On y va. Alors, ça c'est pour cuisiner parce que tu vas devoir cuisiner un truc. On a vu Gabin et Lily, on fait ça. Mais je sais que les Visco Girls mangent très, très, très équilibré. Alors là, ça va être très équilibré, je te rassure. Elle ne sait pas ce qu'on va manger. Oui. Alors ça, attends, je montre aux amis. Alors là, je sais pas si vous avez deviné, mais attends. Ça, Liros va adorer. Attends. Alors qu'est-ce que c'est? 3, 2, 1. Mais ça, c'est l'indispensable pour les Visco Girls, c'est les scrunchies. C'est des scrunchies. Donc, est-ce que tu es contente? Plein. Oui, je Parce que Liros en avait déjà un seul et ceux-là, je les ai achetés sur Amazon. Oui. Alors, le lien est dans la description si vous voulez les acheter. Alors, surtout, demandez à vos parents. Normalement, c'est un lien affilié. Donc, ouais, tu dois tous les mettre. Alors, ouais, on fera pas en vidéo, oui, ok. Oui, oui, oui. On montrera peut-être. Ouais, mais en attendant, allez hop, deuxième boîte. Qu'est-ce que c'est? C'est. Alors, ça, c'est des colliers coquillages. Des petits colliers coquillages. Et des stickers. Mais pourquoi des stickers? Ah, parce que les Visco Girls adorent les stickers. Tu pourras les coller partout sur ton visage. Oh non. C'est un truc suprême et tout. Ouais. Alors, pareil, c'est dans la description si allez. Vous les voulez. Ensuite, ça, j'ai. Oh, mais ça, je sais pas. C'est une boîte fila. C'est quoi ça? Ouais, j'ai des filles là, quoi, mais... ça ah. Mais non, mais j'avais déjà prévu des chaussures pour les Visco Girls. Ah non, c'est le petit prank. Mais ça, c'est... De... Mais... C'est le... C'est le... Mais mes chaussures pour les Visco Girls, c'était ça. Non, le petit prank pour la vidéo, c'est... Tu devras mettre oh, des... Tu devras mettre des sandalettes. C'est des... des petites sandalettes, en plus avec des chaussettes. Oh non. Allez. Non, mais vraiment, je Ah si, si, vraiment. Non. Ensuite, une petite autre boîte. Allez, qu'est-ce que c'est? 3, 2, 1... Voilà, une petite gourde bleue parce qu'il n'y en avait pas de rose, désolé. On sait oui. que vous adorez le rose, mais bon, il y a non, des gens... mais c'est pas grave, ça sent le bleu, la Visco Girl aime bien quand même. Ensuite, dernière boîte, qu'est-ce que ça va être? Ma tenue. La tenue, donc c'est parti, elle va s'habiller. Allez, surtout restez là jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il va se passer un tas de trucs monstrueux de dingue. Donc, c'est parti pour l'habillage. Alors là les amis, Liros est parti s'habiller. Alors oui, vous me voyez tout seul, je sais que vous m'aimez pas, vous me détestez. Mais c'est pas ça le problème, c'est que Lily Rose va forcément faire une petite sieste au milieu du tournage. Donc pendant cette sieste, je vais la pranker. Oui, vous avez bien entendu, je vais la pranker. Je vais lui coller les autocollants dessus. Parce que elle, je sais qu'elle va me faire plein de trucs avec les autocollants, qu'elle va m'embêter pendant des semaines. Donc surtout restez bien pour ça, parce que je pense que ça va être exceptionnel, ça va être super drôle. Elle va rager à mort. Donc restez bien, ça va être trop bien. C'est parti. Donc là, Lily Rose est revenue. Regardez-moi oui. cette Visco Girl en herbe. Bon, tu es en herbe. Tu es en herbe. J'ai pas trop la tenue de Visco Girl. Non, non, attends, tu mets tous les chouchous dans tes cheveux. Hein. Là, tous. Ça... Ah ouais, non, mais là, ça suffit non, mais pas faut, du tout. J'ai fait beaucoup pour les poignets aussi. Non, non, mais mets-en au moins 5 dans tes cheveux là. Allez, encouragez-la en commentaire. Mets des chouchous, mets des et scrunchies. Le plus beau, c'est lui. Donc...
Ah, le plus beau, lui, il vient de Claire's, voilà. Cette coiffure, c'est un gâteau, ta coiffure. C'est énorme. C'est énorme et sec. Claire, bien sûr. Comme, shape. Comme mon bras, c'est faux. Hein. Voilà. Donc, on se retrouve tout de suite une fois qu'elle a terminé ça. Attends, attends. Moi, je veux voir le moment où tu mets les sandalettes. Oh non. Ah non, non. Alors, moi, je paierai pour te voir mettre ça. En fait, à la base, une veste cougar met des Vans et moi, j'allais faire ça. Parce non, mais c'est pas des Vans. Non, on a des magnifiques sandalettes Quechua. Quechua, mais ça c'est la marque stylée. Mais c'est moche. Mais c'est la marque stylée. Mais ça, en plus, c'est à notre père. Non mais t'as pas de style toi. Elle a pas de style. Notez son style en commentaire. Moi je dirais zéro. Zéro de style. Toi, zéro aussi. Ah moi, je suis trop stylé et tout. Regarde, c'est son style. Pas stylé. Allez. Mais par contre, pour sortir, allez, les sandalettes. Les sandalettes. Allez, mets ça. Ah si, pour sortir, tu vas mettre ça. Mais non. Tu vas aller à la boulangerie comme ça, je m'en fiche. Ah ouais, et au parc, tu vas aller voir tous les autres enfants comme ça. Oh non. Si, allez, allez, lève-toi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je sais pas. À la décoration de la gourde. Oui. Allez, c'est parti, la décoration de la chambre. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura d'autres... Allez, on ouvre. Ouais, allez, ouvre. Ouvre tout. Attends, ouvre. Ouvre ça dedans. Ah oui, mais ça... Oh, trop bien, tu m'as acheté des colliers coquillages. Ouvre ça. Ah oui, les colliers coquillages et tout. Bon, allez, on se retrouve une fois qu'on a terminé tout ça. Parce que ça va être trop bien, à tout de suite. Et surtout, on a prévu d'autres activités, on vous dit pas ce que c'est, à tout de suite. A few moments later. Alors, la sélection. Suprême, je le garde. La sélection est compliquée pour lui. Oui, parce c'est trop Alors là, lui, il est trop beau. Ah oui, mets ça sur la gourde. Okay. Ça sur la gourde aussi, le petit hipster comme ça. Alors, on les Attends, sélectionne. Attends, il y en a plein. Ça va être trop bien. Moi, je pars. Moi, je pars, je veux la surprise. Allez, la surprise. Alors, surtout, restez bien pour la surprise parce que je pense que Lyros va nous concocter un truc de malade. Bon, voilà les amis, alors Lily Rose normalement a fini parce que ça fait un quart d'heure. Oh, montre-moi cette gourde suprême d'asperges, I don't really care. Oh, magnifique. Attends. Quoi? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Lily Rose, t'as fait quoi? Rien. T'es sérieuse là? Non. T'as collé des autocollants sur ma tablette, mon iPhone. Oh, sur le trophée 100 000. Oui. T'as collé un autocollant sur le trophée 100 000. Mais c'est des trucs qui s'enlèvent pas, Lily Rose. Ah bon? Mais oui, Lily Rose. Non mais c'est sérieux, t'as vraiment fait ça sur le trophée là? Bah oui. Non mais qu'est-ce qu'ils vont dire YouTube? Mais ils vont rien dire du tout. C'est pas possible. Ah mais Lily Rose. Oui. Non mais moi j'en ai marre. Bon allez, je te laisse. J'espère que bon allez, moi je te laisse. La vidéo va reprendre parce que là je suis trop en colère. Ouais. Ah non, ouais. Attends. Et puis je vais reprendre ça parce que c'est vrai. Oh, même là. Oh mais Lily Rose, j'en ai marre. A few moments later. Donc là voilà les amis, alors j'ai laissé Lily Rose, je l'ai rouspétée parce qu'elle avait fait n'importe quoi avec les autocollants, elle l'a mis partout dans la chambre, même sur le trophée 100 000 et tout. Du coup comme je vous avais promis, voilà, chose promis, chose due, je vais lui coller des autocollants. Alors j'ai pris les autocollants les plus moches, donc comme celui-là, on sait même pas ce que c'est. Donc je vais lui coller 4 autocollants sur le visage. Donc vous inquiétez pas, c'est pas dangereux du tout, hein. Et surtout refaites pas ça chez vous. C'est juste un petit prank comme ça, de toute façon on va les enlever. Faites attention, normalement elle est pas allergique, même je suis sûr qu'elle est pas allergique. Donc je vais faire ça tout de suite, alors j'espère qu'elle va pas rager. Donc là voilà, alors finalement j'en ai collé 3 parce qu'il y avait pas assez de place. Il y avait pas assez de place, donc le soleil, bah il y aura pas de soleil comme aujourd'hui parce qu'il pleut. Donc là je vais faire semblant de rentrer et de réveiller Lily Rose. Lily Rose! Lily Rose! On doit faire le 24h Vesco Girl là. Okay. Ça va? Ça va? Alors là les amis adorent la vidéo, j'en suis sûr là. Okay. Alors ce qu'on va faire maintenant c'est que tu vas être habillée entièrement. Elle est trop belle ta gourde. Et d'ailleurs... Attends, attends, on peut pas rester comme ça là, Lily Rose. Pourquoi? Tu sais ce qu'on doit faire? Non. Bah ta coiffure, c'est pas possible, normalement ça doit être... Oui. Normalement ça doit être un truc super haut, là c'est un truc tout raplapla, là tu nous fais un gâteau coiffure. Attends, donc tu refais ça tout de suite. Attends, regarde-toi dans le miroir. Ok. Regarde-toi, attends. On va te donner le truc de l'iPad. Alors, t'es prête? T'es prête? C'est quoi ça? Tu m'as collé des... Je peux les enlever, hein, je les enlève. Non, tu les enlèves pas. Non, mais tu les enlèves pas, tu les enlèves pas. C'est Vesco Girl spécial. Spécial prank. Voilà. Donc allez, tu refais la coiffure. Super. Et ensuite, on va te confronter à l'épreuve de la street, de la rue. De la street. C'est la street. C'est la street dans la street. C'est la street dans la street. C'est la street. C'est la street dans la street. Allez. Donc c'est parti. Finalement, tu vas sortir en palme. Non. Alors, non, ma cul. Allez, on fait pierre, feuille, ciseaux. Celui qui tombe, celui qui gagne a raison, ok? Pierre, feuille, ciseaux. Non, pierre, feuille, ciseaux. Ok, pierre, feuille, ciseaux.
Oh non, oui non, tu sors avec une palme, oui. Non, vous inquiétez pas, il est pas vraiment dégoûté. Non, mais si. Bon, allez, à tout de suite. Incroyable. Non, mais montre-moi cette coiffure de fou. Et bah, quoi, j'ai joué le jeu, hein. Ça, c'est même pas exagéré. Regardez. C'est la trompe d'éléphant. C'est la trompe d'éléphant. Alors justement, non, enlève pas. Non, laisse. Oh non, mais ne t'inquiète pas, juste un peu. Et justement, on va passer à la cochine. Non, on dit pas comme ça en plus. Non. La cuisine. Ouais. La cuisine, donc on va faire un smoothie. On va faire un petit smoothie salade de fruits, oui. Donc c'est parti, ensuite on va à la boulangerie. On avait juste oublié de vous le dire qu'on allait cuisiner. Oui. Mais surtout restez bien parce qu'on va faire déguster ça à des gens, je pense. Ouais. Et... c'est vrai. Ouais. Oh non. Allez, c'est parti. Donc attends, prends ça. Okay. Et justement, ce qu'il y avait dans la cloche. Voilà. Oh non. Alors, c'est pas toi qui va devoir le découper parce que il faut toujours demander à un grand pour découper parce que ça peut être un peu dangereux. Surtout les amis, écoutez bien ce conseil, ne faites pas n'importe quoi avec les couteaux. Demandez toujours à vos parents. Alors moi, je suis pas le parent de Lily Rose, mais je suis son très grand frère parce qu'on a beaucoup d'écart. On a 8 ans d'écart. Au moins. 9 ans. Non, voilà. 8 ans. Ouais, presque 9 ans. Donc allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, alors j'ai préparé une pomme. Une poma, une orange, voilà, c'est une orange. On va faire un smoothie. Alors ça, c'est... Mais tu peux mettre de la banane dans le smoothie. Et j'ai préparé du lait et la banane. Que la banane. Oui, que non, la banane. Que la banane et un fruit mystère. Ok, bon allez, c'est parti, donc la banane. Ouais. Allez, j'ai l'accent italien, c'est ça. Ouais. Donc allez, la banane. Alors qu'est-ce que... La mixture de banane est prête. Donc, on va mettre du lait maintenant. Le fruit mystère, ça sera... El citrone. Oui, tu mets juste du Non. Hein. Moi, je presse. Je suis pressé. Oh, non, je suis pressé. Mais ça je va être dégoûtant. J'espère. Allez, on presse. On presse. Et crie pas non plus. Arrête de crier. Allez, bon, c'est bon. Alors, je pense que ça sert à rien de tout vous montrer. Alors, voilà, on une fois que les choses un peu dangereuses sont terminées, on range le couteau, bien sûr. Voilà. Alors, tu mets un peu de lait, on va faire une petite mixture. Alors nous, on n'a pas de mixeur parce qu'on n'en utilise pas. Hein, ouais, parce qu'en fait, on n'en est pas en acheté. Attends, oh, ça a l'air dégoûtant. Oh non, ça va être... Et attends, on va faire goûter ça à un inconnu aussi. Non. Attends, l'inconnu arrive. Allez, accueillez l'inconnu dans 3, 2, 1. Bonjour, je suis l'inconnu. Bonjour l'inconnu, vous pouvez goûter à notre milkshake. Je suis l'inconnu. Tu es l'inconnu. Bon, allez, plus sérieusement, c'est moi qui vais goûter en premier. Ok, attends, on verse quand même dans le bois parce que le Vescoga, on ne boit pas dans une louche, bien sûr. Non, attends, comme Obélix. Obélix. Alors, tu vas me dire si c'est bon, ok. Allez, donc, verse ça dans une petite gourde des familles. Voilà. De la famille. Alors, j'espère que ça va être délicieux. Oh, moi aussi, parce que. Attends, fais pas comme ça. Alors. Hop, on va peut-être pas filmer quand on le fait, on va éviter la catastrophe. On va juste filmer mon faciès, mon visage. Une fois que je serai en train de goûter ça, donc vais-je vomir. J'ai trop hâte. J'espère que tu vas vomir. Oh non. Donc là voilà les amis, Stéphane va manger ce milkshake. 3, 2, 1. Attends, les secouer, fruits pressés, c'est la danse du milkshake. C'est la danse du milkshake. Fruits pressés, les secouer, c'est la danse c'est du bon, allez, bois. Allez, on secoue. Allez. On secouer comme jamais. Secouer comme jamais. Est-ce que vous êtes prêts les amis? Allez, c'est parti. C'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est pas bon. Ah, c'est dégueu. Attends, je peux goûter. C'est dégueu. Moi, je peux goûter. Est-ce que vous savez ce qui est dégueu? Bah, c'est carrément le citron qui gâche tout. C'est vrai. Ah ouais, non, mais le citron gâche tout. Non, c'est vrai. Me dire, en plus, j'allais vraiment donner ça à un inconnu, mais genre, je pense que là, on va se faire des ennemis. Moi, j'aime bien. Non, mais moi, je trouve que c'est bon, en Elle vrai. Elle aime bien cette Lily, là. Cette petite Lily rose, là. Allez. Non. Donc, allez, maintenant... Maintenant, tu peux pas y couper, hein. C'est la sortie dans la rue qui t'attend. Non. In the street. Oh non. In the street. In the street, Lily. Mais non. Allez, avec les tongs en plus. Avec la tong et la sandalette. Oh non. Allez, si. Mais Lily Rose, il faut assumer maintenant. Mais non, arrête avec ça. Tu as voulu être youtubeuse. Moi, je me donne aussi pour cette chaîne. Regardez ma tenue. Si, Rose. Non, allez. C'est parti. On y va. Allez. Alors là, par contre, je veux... Allez. Je veux un florilège de likes, je veux que des likes sur cette vidéo. Oui. Voilà. Parce que là, on plus se... Plus de likes que de vues, voilà. Ah bah ouais, plus de likes que de vues, là. C'est pas possible, mais... Allez, allez, là, ça va être génial. T'es prête? Allez, on se retrouve. Une moitié comme ça,
On se retrouve in the street for the day before the challenge. En vrai, j'ai hâte d'aller dans la rue, en vrai. Donc voilà, nous voilà in the street, dans la rue, donc là voilà, regardez cette tenue de qualité. Donc allez, donc là on va se diriger vers la boulangerie, je sais pas si on pourra filmer à l'intérieur, mais dans tous les cas on se retrouve à la maison, et on va filmer jusqu'au bout, donc c'est super, voilà. Donc voilà, alors finalement la boulangerie est fermée, donc on a décidé d'aller à l'école de Lily Rose. Non. Dans cette... Non, si Lily Rose, non. Elle s'enfuit avec des palmes, c'est impossible. Viens Lily Rose. Viens Lily Rose. Non, viens, je tape. Viens, viens. Donc voilà, nous sommes rentrés. Alors Lily Rose a eu un peu la honte de sa vie. Alors c'est moins intense que la fois où t'es sortie en licorne. Donc allez, petite dégustation. Et puis 3, 2, 1, on fait l'outro. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et surtout, on va passer à la bulle magique. Donc la bulle magique, c'est quoi? Alors, c'est... 24 heures, Wisco. Non, 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 merci beaucoup à... Élise. À... Noé. Et à... Noélia. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Bye. N'oubliez pas de vous amuser, de vous éclater, de faire des vidéos, de faire des sketchs. Oui.